Rivia et d'abra ou Pajalava dans cette journée. Et voilà, et nous allons nous diriger. Bienvenue sur la chaîne Will Mastro Reaction. On va se diriger, comme vous venez de l'entendre, en Russie avec notre amie Aliza Supronova. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Aliza Supronova, n'hésitez pas. Je vais mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, descendez dans la description. Le premier lien, c'est toujours sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Sinon, je mettrai le texte de cette chanson qui s'appelle Toronoyo Dojd. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le texte dans la description de ce titre. Si vous y allez, dans la description, il y aura ce texte. Il y aura mon PayPal, mon Instagram, mon Telegram. N'hésitez pas à vous abonner pour y aller. C'est vraiment gratuit et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va se diriger tranquillement vers ce titre d'Aliza Supronova. J'espère que vous allez apprécier. Prenez énormément de plaisir. On y va tranquillement. Faudra peut-être que je règle le petit souci. Et on est parti, vous allez voir, c'est une ancienne, d'après ce que j'ai vu, une ancienne vidéo d'Aliza Supronova. Donc bonne écoute à vous, prenez du plaisir, moi aussi d'ailleurs, et on est parti. Стороною дождь, стороною дробний дождь, а в ополі туалу. Полі туманушка подамається. І подимається, ой, по чистому полю шкура стілається. Try, you gotta get up and try,
try, try. Whether it's desire, there's gonna be a flame. Whether it's a flame, someone's bottle gathering. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Waouh! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre un pouce. La chaîne, si vous l'aimez, abonnez-vous, c'est gratuit. Cochez la cloche des notifications pour les recevoir, toutes les notifications de mes vidéos qui sortent, de mes posts, et ainsi de suite. Mais là, comme je viens de voir à la fin, c'était en 2016, donc il y a 7 ans. Elle a entre 22 et 23 ans maintenant. Donc, elle avait entre 15 et 16 ans quand elle l'a fait. Donc, il me semble que j'ai bien reconnu, c'était la chanson, une des... Alors, est-ce qu'elle a mélangé des deux? Dites-le moi en commentaire, mais c'était Pink avec Try, il me semble. Donc, a-t-elle mélangé cet esprit russe qu'elle a rajouté quand elle a fait le « Ah !» à la Dimash, capable de... Ah, franchement, ça m'a sidéré. De capable de le faire à cet âge-là, 15 ou 16 ans. Et j'ai beaucoup apprécié sa qualité vocale. C'était moins, vous savez, moins lisse. Voilà, vous voyez, un peu plus de... Ben, quand on est adolescent, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup apprécié. Alors, est-ce que c'était la version russe et après, elle l'a fait en anglais? Dites-le moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié cette version, enfin, cette Storonoyu Dojd d'Alisa Supronova. Franchement, j'ai été vraiment très surpris et agréablement surpris de ça. Donc n'hésitez pas à me donner des explications en plus dans les commentaires, parce que là, je suis un petit peu paumé dans l'interprétation. Soit c'est une cover de cette chanson que je vous ai citée de Pink, soit elle a fait un mélange, on va dire. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain. Merci aux plus de 30 000 personnes qui me suivent. Je vous aime vraiment très fort et on se retrouve demain. Allez, à demain. Still, it's a...